non à ce projet, cette expression. Quand on peut pas Sarkozy, ma famille, tout n'a qu'à nous faire. Je n'ai pas une attaque choisie dans moi. Moi je m'écaille, comment je pourrais convaincre ça? Je vais tourner et gérer ces gens. Sûr qu'ils soient malades ici, au lieu d'en approcher, ils obtiennent sa guérison. C'est bon, monsieur. Tu veux donc faire tes pas. Et puis ça y est, il partit du toko. Je t'aime encore ce matin. Et puis c'est la ligne à sur notre homme. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse pour ce dimanche. Zambé à Pambola, pour la yé nga oi. Alléluia. Amen. Le thème de ma prédication ce matin. Maman la ligne à moi, Mathieu, la matin, mon allélo. Les interdits. Et la Pâque. Alléluia. Amen. C'est comme ça que je tiens à formuler la prédication de ce matin. Ce sont les interdits qui ont donné la Pâque. Il y a une valeur. Je rappelle le programme de la prédication dernière. J'ai parlé ici des interdits. J'expliquais clairement que lorsqu'on parle d'interdits, j'avais dit ce sont des choses auxquels nous devons nous abstenir. Les choses que Dieu a jugé consacrées à l'Éternel. Les choses qui sont intouchables. Les choses qui nous sont strictement prohibées. C'est ainsi qu'on les appelait des interdits. Dans le monde des esprits, la force de toute puissance reste dans les interdits. Quand vous entrez dans le monde occulte, la force de votre consacration, le succès de vos sacrifices, restez dans les interdits. Même dans notre foi chrétienne, dans la vie que nous menons chaque jour, notre force, notre efficacité, nos succès, demeure dans la respectabilité des interdits. Lorsque un chrétien respecte les interdits, il exprime son amour avec Christ. C'est pour cela que Christ avait dit, si vous m'aimiez, vous serez différent. La volonté de mon Père. Alléluia. Amen. Un chrétien efficace ou fort, mon Christ, c'est celui qui vit dans les respects stricts des interdits. Aujourd'hui, le monde entier célèbre cette Pâque. Je vous dis, Pâque a un sens que parce qu'il y a des interdits. C'est sous les interdits que le Pâque a un sens. Je dis, les interdits sont des choses consacrées. Par Dieu lui-même. Et pas dans Zambé, pour lequel Dieu en est strict. Pour lequel Dieu en est très jaloux. Pour lequel Dieu punit strictement. Pour lequel le pardon ne tarde pas. Pour le châtiment ne tarde pas non plus. Beaucoup ont péri à cause des interdits. Beaucoup ont raté les rendez-vous de leur destinée à cause des interdits. Bienvenue dans le Seigneur quand quelqu'un est interdit. Ça veut dire qu'un interdit, c'est un intouchable. Si nous rentrons dans les livres des 1 Chroniques 16, juste le verset 20. La Bible dit, ne touche pas à mes oints. Ne fais pas du mal à mes prophètes. Un interdit, c'est un intouchable.
Alléluia. Amen. Quand on parle que celui-ci c'est un interdit, ce n'est pas quelqu'un que l'on peut toucher. C'est pas une personne sur laquelle on peut porter atteinte. Les interdits, ce sont les sacrés. Des choses pour lesquelles nous devons nous abstenir. Lorsque nous respectons les interdits, nous respectons Dieu. Lorsque nous respectons les interdits, nous exprimons notre amour envers Dieu. Aimer son père, c'est lui respecter. Respecter Dieu, c'est veiller sur ses interdits. C'est dans les interdits que Dieu a vu mesurer notre amour, notre attachement envers lui. C'est pourquoi lui dit que ne touche pas à mes oeufs. Et ne faites pas du mal à mes prophètes. Je vais exprimer clairement ici que parmi les interdits dont la Bible parlait, il y a le Saint-Esprit. Si j'insiste, ce n'est pas pour rien. Il y a le Saint-Esprit. C'est un interdit. Tu ne peux pas faire n'importe quoi au nom du Saint-Esprit. Tu ne peux pas te comporter mal au nom du Saint-Esprit. C'est un interdit. Les châtiments sur les Saint-Esprit ne tardent pas. Et deuxième interdit, les ustensiles de l'église. Je n'ai prêché ici. Troisième interdit, ce sont les dîmes. Les offrandes, les actions de grâce, les prémices, ce sont les interdits. Tu ne peux pas consommer ta propre dîme. Tu ne peux pas toucher à l'action de grâce. Les offrandes que tu as prévues pour Dieu, tu ne peux pas toucher à ces bases. Alléluia. Amen. Quand vous y touchez, ça ne tarde pas. Des fois, ça arrive du tic au tac. Pour une chance qui s'est arrivée, j'ai touché à la dîme, à la part qui revient à Dieu. Financièrement, tu meurs. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de gens jusqu'à aujourd'hui qui souffrent pour avoir touché aux interdits. La dernière catégorie que j'ai jugée première, ce sont les oies de l'Éternel. Alléluia. Amen. Les oies de l'Éternel font une catégorie des interdits. Si aujourd'hui on doit parler de la Pâque, c'est parce qu'il y a un moyen qui a été touché. Il y a un moyen qui a été sacrifié. Il y a un moyen qui a été vendu. Il y a un moyen qui a été ridiculisé. Il y a un moyen qui on a fait porter une croix. C'est parce que sur le sol, si on doit célébrer la Pâque, c'est parce qu'on avait touché à un oint. Je voudrais maintenant illustrer ici ensemble. Lorsque on touche un oint, il se passe beaucoup de choses. Quelqu'un va se poser la question, qui est maintenant un oint? Lorsque nous parlons de oint, c'est qui au juste? C'est pour cela que je vous invite, mes chers amis, que vous puissiez une définition dans la Bible. Prenons Esaïe chapitre 61.
toute place, il dit, je proclame la paix. Les cieux, il dit, nous proclamons aussi la paix. Les cieux, il dit aussi que ça va marcher. Les cieux, il dit que je les ai choisis. Alléluia. Amen. Donc, les Oyens, ce sont des ambassadeurs. Les Oyens, ce sont les mains de l'Éternel. Là où l'Éternel n'arrive pas, et la voix c'est Oyens. Ces gens, nous les avons même dans notre église. Les Oyens, c'est pas toujours quand nous vous prêchons. Parmi les enfants de Dieu, il y a des Oyens aussi. Il y a des gens qui ont reçu les missions particulières auprès du Père. Ce sont les gens des personnes que vous cherchez à les étouffer. Quand vous vous détachez avec eux, vous devenez plus que malheureux. Ces gens, ils sont là. Ils m'écoutent très bien. Si tu es où, tu es encore amen. Là où ce sont les gens qui réfléchissent au profit des autres. Quand il construit un projet, il passe à son père, il passe à sa mère, il passe à ses frères, il passe à ses amis, il passe même à son gens de son quartier. L'étoile n'a jamais eu une pensée personnelle. Il le fait toujours au profit des autres. C'est celui-là est moins. Si vous voyez toutes ces qualités, c'est tout ce que Christ a fait. Le premier est le véritable moins. C'est le Christ qui était, qui est parmi nous et qui viendra encore. Alléluia. Amen. Continue. Quoi? Verset 2. Pour publier une année de grâce de Alléluia. Amen. Publier une année de grâce. C'est ce moyen qui peut proclamer. C'est pas n'importe qui peut proclamer. C'est lui qui n'est pas ici proclame ici, rien ne va se passer. Il peut se lever et dire que voilà, il y a 500, il n'y en aura pas. Il s'agit de moyen qui proclame. Alléluia. Amen. Avancez. Comment? Et un jour de vengeance sur de notre Dieu. Alléluia. Amen. Il vient proclamer les jours de vengeance. Aïe, Koloba Mukoloya Osomisa. De notre Dieu. Père Kolonabiso. Ça veut dire que les moins. Il lui connaît mon papa Kolami. Il n'est pas toujours celui qui se plaint. Azaga la roue mouton de la caté. C'est un porteur de solutions. C'est ce qui est de Christ. Partout il passait. Vous manquez de l'eau. Vous avez causé ma maille. Il prie. À Saint-Béni. Il y a de l'eau. Vous manquez du vin. Vous avez vignon. Il prend de l'eau. À il consacre ça. À Bosia. Vous devenez le vin. Et comme vignon. Vous voulez de l'argent. Allez pêcher les poissons. Sentez ces poissons. Ouvrez sa bouche. Prenez l'argent. Payez les collecteurs d'impôts. C'est ça les Noël. Christ en a prêché par exemple. Christ a terre qui que soit aussi. Que soit ton air de solution dans votre famille. Que soit quand tu es là, c'est la réponse au problème. Quand tu es là, il n'y a plus de soucis. Que soit quand tu n'es pas là. On sent que tu n'es pas là. Alléluia. Amen. Il y a des gens. Quand ils vous quittent, vous devenez mal-aimés. Vous vous plaignez. Vous sentez un vide. C'est un moyen. Il faut faire attention. Si vous les avez autour de vous, il faut les protéger. Israël n'avait pas protégé Christ. C'est pour cela qu'ils l'ont perdu. Alors que lui, il était loin. Il était une solution à des problèmes. Il était loin comme de Moïse. Des gens qui ne pouvaient pas s'opposer. Alléluia. Amen. Quand vous avez le loin, votre bénédiction dépend de leur attitude. Peut-être que Dieu vous bénit à travers le loin qui est avec vous. Si vous êtes en paix, c'est parce que le loin est avec vous. Si vos prières arrivent au trône, c'est parce que le loin est avec vous.
question Jésus. Si Jésus mettait les apôtres, il mange chaque jour. Quand est-ce que ce peuple va chaîner? Jésus a regardé ces gens. Il les regarde encore. Il leur dit, lorsque le mari est encore là, le pauvre ne peut que se réjouir. Moi, ça peut être possible. Il dit qu'il ne touche pas à mes oies. Quelles que soient les circonstances, les oies on doit les craindre. Les oies il faut les éviter. Comme le monde n'avait pas supporté Christ, la Bible dit qu'il est venu vers les siens. Mais les siens ne l'ont pas reconnu. Il est venu vers les siens. Les siens ne l'ont pas supporté. Les saints se sont permis de les toucher. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous célébrons sa résurrection. On ne touche pas au roi de Dieu. Nous rentrons dans la lecture que nous avons fait ici. Nous finissons quelque chose. Commençons par Jean 19. De 1 à 6. Je dirais 3 bonnes pensées pour vous. Amen. Nous parlons des interdits ici. Il y a une loi qui était promulguée pour qu'on puisse toucher Christ. Pour qu'on puisse se fouetter. Pour qu'on puisse se dit alors Pilate ordonna de prendre Jésus et de le fouetter. Les soldats tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête. Alléluia. Amen. Lorsque on cherche à atteindre les rois de Dieu, c'est dangereux. Si Dieu autorise, il vient donner un message à ça. Il vient arracher une victoire derrière ça. Quand tu es loin et que tu te vois toucher, sache qu'il y a un message que Dieu veut donner derrière ça. On a érigé une couronne d'épines, on a piqué ça sur Christ alors qu'il était Dieu, alors qu'il était loin. On a touché à lui. Alléluia. Amen. Or, si tu avais permis, ce qui est c'est pour effacer certaines choses qui ont été dites avant que les oies soient touchées. Parce que lorsque Adam et Ève s'étaient rébellés contre Dieu, il y a une chose qui est claire. Dieu a maudit l'homme. Il a dit que toi, tu ne mangeras que de la sienne de son front. Le sol que tu pétis sera des ronces, des épines. Qui te piqueront pour anéantir cela. Tu as permis qu'on puisse toucher à un oint afin que les mêmes ronces, les mêmes épines qui devaient sortir pour que l'homme puisse manger, et que ces épines-là soient piquées, c'est Christ. Pour adapter de ces jours-là, l'homme puisse manger à nous à la sienne de ses fronts. L'homme mange. C'est ainsi qu'aujourd'hui, vous trouvez des gens dans les salles climatisées. Ils ne transpirent même pas. Ces gens mangent chaque jour. Sur le moins, tu as apporté solution au problème de la société. On a touché à Christ. Mais tu as répondu à un problème. Par le moins, même en captivité, ils constituent la solution de nos problèmes. Le soin même en prison, il est la réponse. Le prisonnier s'inquiétait sur leur rêve. Mais lorsqu'ils ont vu Joseph, même s'il était en prison,
parce que c'est un héros de Dieu, ça ne pas empêcher de fonctionner. La prison n'a pas empêché l'onction de fonctionner. Mais à la pleine prison, il lui donnait des explications aux songes. Lorsque toi tu es roi de l'éternel, même si on t'a compris dans n'importe quel degré, même si on te fait souffrir à n'importe quel degré, sachez seulement que ta souffrance, c'est une solution pour les autres. C'est une réponse des autres. La Bible dit ceci. Toute écriture a été inspirée par Dieu. Si la Bible nous répond cette histoire, c'est parce qu'il y a des faveurs sur nous et nous devons apprendre à exploiter. Voilà pourquoi on lui a piqué. Quand on a piqué, le sang est écoulé. Lorsque le sang coule, c'est une réponse au problème des hommes. C'est pour cela aujourd'hui, pour que toi tu manges, Dieu n'a pas besoin toujours que tu travailles. Je vous dis, il y a des gens qui ne travaillent pas, ils vivent encore au milieu. Il y a des gens qui ne sortent pas des cieux et qui sont bénis. C'est pour cela la Bible dit, vivra par la foi. Quelqu'un peut dire amen. Oui. Il disait Sali, roi des chiffres. Mon conseiller Yuda. Il lui donnait. Avec ça, des chiffres. Motango. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque tu es loin, tant nous avons pas qu'on l'a vu, le Seigneur permettra. Même les insectes concordent chez toi. Alléluia. Amen. Sois une identité positive chez toi. Et ça va comme on lui parlait roi des Juifs. Par ironie. Alors qu'il était roi. Le véritable. C'est le point qui m'écoute ce moment. Lorsque tu es loin de l'éternel, on affligera certains insectes qui ne sont pas pour te ridiculiser. Ils ne sont que les sujets de gloire derrière toi. Ils ne sont que les sujets de gloire pour toi. Lorsque tu es loin de Dieu, le Seigneur arrêtera la bouche de tes ennemis pour que tout ce qui est sur toi soit un sujet de joie. Pour bénir ce manqué de Christ, pour dire que par ironie, un roi des Juifs, Tu as pris ça. Il en a fait sujet de gloire. Pour eux. Il a des gens ici. Tout le temps tu as l'église. Ils ont commencé par t'appeler maman pasteur par ironie. Ce matin, le père m'autorise de te dire toi. Je suis maman pasteur par ironie. Si elle t'établit comme maman pasteur la vérité, je l'ai proclamé sur le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Oh, cette fois, monsieur, ça fait amie le bon maman passager. Je t'autorise maintenant. Moi, si bon, Azali, tu vois. Alléluia. Amen. Les points, quand on veut les insulter, prends ces insultes pour en faire ces jets de gloire. Par ironie, ils ont dit à Jésus que voici le roi des Juifs. Il était le roi, le véritable, l'unique, le vrai, le incontestable. Alléluia. Amen. Moi, un jour, on m'a aussi insulté. Ma finale n'a pas été. Alléluia. Amen. C'était par ironie. Ils ont alors que ce qu'ils disaient, c'était aussi vrai. Ils ont dit personne. Alléluia. Amen. C'était en famille. J'ai déjà rencontré ça. Souvent, je ne vais pas manger une nourriture mal servie. Alléluia. Amen. Même si c'est bien préparé, quand c'est mal servi, je mange difficilement. Alléluia. Amen. Même si c'est pas une bonne nourriture, mais quand c'est bien servi, j'en mange avec appétit. Alléluia. Amen. Un jour, je rentre. J'ai trouvé un homme qui a servi pour moi. Il n'était pas bien servi. J'ai pas voulu manger. Alléluia. Amen. Le soir, mon père arrive.
Il trouve une nourriture sur la table. À côté de lui, il pose la question. À tenir mon tour là. Mais qui a servi comme ça? Nani a servi lui? Qui s'est destiné cette nourriture? Il le coupe aux alliés. Et pourquoi est-ce qu'on l'a saboté comme ça? Pour Nani, il m'a béti à moi saboter. Tous les gens qui étaient là. Bah tu n'as pas ça. Il dit c'est chef Jérémy qui a fait ça. Bah ben Zali mon côté Jérémy n'a salé pour nous. Alléluia. Amen. Ça peut n'avoir de bien et bien non pas chef par ironie. Yes. Les lots, je vous établis comme des chefs. Les lots, la télévision de l'Ogo là-bas, ma chef à solo. Je vous établis comme des chefs. La télévision de l'Ogo là-bas, aussi. Lorsque Christ, dans mon Christ, on lui a dit, bah, messie, par ironie, Nanzela l'Ogouta, roi des Juifs, au Kozabayuda, les siens, Lola, avait proclamé aussi, et Tato la Bible, roi des Juifs, au Kozabayuda. Parce que la Bible dit, c'est que vous liez sous les siens, au Kami Awanassé, et liez au ciel, et Kami Penassé, celui Awanassé, yes. Dieu t'a établi. Zamba télévision. Lola Nicolo t'établit aussi. Lola télévision. Alléluia. Amen. Lorsque nous célébrons la résurrection du Christ, ce n'est pas par simple cérémonie. C'est pour que les réalités cachées derrière ça, nous puissions en consommer et en bénéficier. Alléluia. Amen. Gardez toujours même lecture. Nous allons pour nous tirer notre deuxième leçon. Dans toujours Jean 19. De verset 38 à 41. Il y a une leçon que j'ai tirée ici. Et je préférerais rester sur Jean. Parce que Jean, si vous le lisez, il est parmi les auteurs les plus clairs, les plus précis. Pourquoi Azali n'a précision? À Jean, Jésus parlait des choses comme beaucoup plus claires. La Yohane Isaac Madame Koloma Kamuna pour les pays. Il dit après cela. Il veut dire Simon Ayamou. Joseph d'Arimathée. Joseph y a Arimathée qui était disciple de Jésus. Oh Azali qui mouille Kolia Yesu. Alléluia. Amen. Lorsque vous comptons les 12 apôtres, tant que Zotanga Batoma Zomé Nanibal, est-ce que nous parlons de Joseph d'Arimathée? Tous les Belatina Joseph d'Arimathée, on ne cite pas. Zotanga était. Alléluia. Amen. C'est ce que je voulais parler aux moins qui m'écoutent. Que les moins me disent Amen trois fois. Que les moins me disent Amen trois fois. Amen. 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 Alléluia. Amen. Après cela, Simon Ayango, Joseph d'Arimathée. Joseph d'Arimathée. Qui était disciple de Jésus. Mais Kasi en secret. Na coucou. Alléluia. Amen. Lorsque tu es honte de l'Éternel, tant que nous avons pas Yahweh, il aura des gens. Et vous en abattu. Que Dieu mettra autour de toi. On s'en va pour chapelle na yo en secret. Na coucou. Qui ne sont pas connus. Oh ma vanité. Dieu se servira de ces gens. Zamba pour ça et la batouana. Pour ton épanouissement. Pour la mofoulou qui nous ton ministère. Pour la loton mon aïe. Pour les dons que Dieu a mis à toi. On a dit qu'à Zamba. Ces gens, on peut ne pas les connaître. Mais ils sont là. Ils travaillent fortement. C'est comme moi, je suis votre pasteur. Vous connaissez mes collaborateurs. Mais j'ai d'autres peut-être que vous ne connaissez pas. Que tu utilises en secret. Ces gens ne manquent pas. Ils peuvent être des fois plus efficaces que ce que vous connaissez. Vous pensez que quand vous déstabilisez mes collaborateurs, vous déstabilisez votre visionnaire. Pas du tout. Par contre, vous les rendez de plus en plus forts. Sans les connaître, mes chers amis. Mais loin de l'Éternel, dans son parcours, il y a des acteurs que Dieu met en secret. Il y a des gens que Dieu a placés uniquement pour les soutenir. Raisonnons deux minutes. Comment moi je vis? Alléluia. Amen. En fait, Jérémy, il vit comment? En fait, je m'en vais à la dernière. Donc, c'est dit cette vérité à France. Tout le monde est là, solo, c'est que cette église produit.
ça n'arrive même pas à faire les 10% des loyers. Les amis, Alléluia. Amen. Des gens, des réserves. Les amis, de l'éternel que Dieu a placé, qui ne sont pas connus. Et à des fois, qui ne se connaissent pas. Parce que là, avant Nicaragua, les prophètes, Dieu me met à cœur. Au fait, nous avons bâti la côté que je puisse faire ça. Et de la salle à bout. Alléluia. Amen. Tu m'as touché. Ça m'a si bien que je puisse faire ça. Et de la salle à bout. Des fois, il ne vient même pas ici. Mais il est fort. Lorsque tu es moi de l'éternel, il y a des gens que Dieu veut utiliser en secret. Et ça n'a pas de la coucou. En secret. Na coucou. Que personne ne connaît. Lorsque Dieu t'établit comme son roi. Ne compte pas toujours sur ce que tu vois physiquement. Il est les soutenances spirituelles que Dieu place. À des fois que tu ne connais pas. Il a lui dit que Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais en secret. C'est-à-dire que dans des réunions officielles, il ne venait pas. Lorsqu'il faisait des miracles, cet homme n'était pas là. Mais il était un disciple de Christ en secret. Fais attention pour les rois. Parce que les rois, tu peux le voir tel qu'il est. Et ceux qui sont à côté de lui, mais les invisibles qui sont à ses côtés, vous ne les voyez pas. Tu peux attaquer le physique que tu vois, mais ceux qui sont cachés derrière lui, vous ne les voyez pas. C'est pour cela que je dis qu'on ne peut jamais lever un bâtiment. Le pierre soutient un bâtiment. Mais le brique, on peut le voir comme ça. Mais le pierre, on ne le voit pas. Et ce sont les pierres qui soutiennent un bâtiment. Ce ministère n'est pas conçu sur le brique. Le ministère est conçu sur le pierre. La pierre qui sont les collaborateurs secrets que vous ne connaissez pas. Dans le parcours de Christ, on voyait les douze. Mais lorsqu'il va entrer au temple de Jérusalem, Jésus dit à ces gens, arrêtez d'acclamer. Par les acclamations qu'ils font là, sont dignes d'un roi. Jésus tourne et il leur dit, je vous dis en vérité, si elle se taise, le pierre vont crier. Si elle se taise, le pierre vont crier. Ça veut dire que quand il marche avec les apôtres, il y avait des hommes et les invisibles qui accompagnaient sa mission. Loin de Dieu, pas de physique, pas de spirituel. Quand tu cherches à maîtriser le physique, le spirituel s'occupera de toi. Alléluia. Amen. Lorsque tu veux toucher à Oana, tu peux maîtriser sa physique, mais son spirituel, tu ne pourras jamais maîtriser cela. Loin de Dieu ne vient jamais servir. Il vient toujours en masse. Chez toi et les anges qui t'accompagnent, on ne te voit pas toi. Mais les anges qui sont à tes côtés, on ne les voit pas. Les oies sont nombreuses. Alléluia. Amen. C'est pour cela. Ce n'est pas facile de renverser un coin de Dieu. C'est une deuxième leçon que je voulais te donner. Le bénédicte, il avait Joseph d'Arimathée. Disciple de Jésus, mais en secret. Et la Bible me chante encore. Par crainte des chefs juifs, demandant à Pilate, à Saint-Pilate, la permission d'enlever les corps de Jésus. Pilate lui permit. Pilate a passé une limite. Il vint donc ailleurs et enlevant les corps de Jésus. Mais à l'homme, il sortit à Jésus. La Bible cite encore un deuxième collaborateur. Bible, tant qu'il est sous collaborateur à lui-même. Nicodème. Nicodème. L'homme. Moto. Qui auparavant. Oh, rapide à Gilboso. Il allait trouver Jésus la nuit. À quel est le coup de la Jésus à Moutou. Alléluia. Amen. Le point de Dieu. Ou pas qu'on le menace à des gens qui le visitent la nuit. À ça n'a pas tout à coup de la main à Moutou. On attend pour l'entrée des serviteurs de Dieu. On fait un mabou pour la Moutou qui a reçu la salle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Loin de Dieu. On parle de l'ensemble. À tes collaborateurs secrets. À Zalina Baïba, tu vas en que vous ne voyez pas. Lorsqu'on fait couple pour te renverser toi, quand on va faire ça, la maquille, t'as pas la coquille.
dis à tes ennemis, vous me voyez moi, et ceux qui sont derrière moi, vous ne le voyez pas. Si vous osez aujourd'hui, vous pouvez m'atteindre moi, et ceux qui sont derrière moi, vous ne pouvez jamais les renverser. Que les trois me disent amen. Amen. Qui disent encore amen. Amen. Il avait Joseph. Et ça, il a Joseph. Mais il a aussi Nicodème. Car si Nicodème passe, il était là. Ouais, c'est là qu'il voyait un homme comme Nicodème. Nous sommes là, Nicodème. Un point de Dieu. Qui est rapproché de Jésus. Ouais, c'est quoi, pousse la bébé. Voici le langage des mots. T'as là, il obéit à Papa. Il est saint. Mais il vient vers Jésus. Il pose la question. Il dit maître. Abi Mokosi, nous savons que. Voilà le langage des mois. Lorsqu'il parlait de nous, nous savons que. Ça veut dire qu'il avait une Nicodème qui était là. Le mauvais était Nicodème. Et les invisibles qui étaient à ses côtés. Il dit nous savons que. Il ne peut faire de tels prodiges. Si il ne vient pas du Père. Alors que Nicodème était seul. Parce que Nicodème est aussi collaborateur en secret de Jésus. Lorsque nous célébrons cette vague, les certains alimentaires dont on ne parle pas. Joseph d'Arimathée, Joseph d'Arimathée, et Nicodème, ils étaient là, à ce moment-là. Moi, je n'ai pas parlé. Mais les invisibles se sont levés pour éclater la situation. Loin de l'Éternel, arrivera des endroits. Yes. Bah maîtriser par apôtre d'ailleurs. Mais bien que non Pierre a vraiment des airs moko. Alléluia. Amen. Le besoin n'a pas de problème. Mais ça a un problème. Bah Pierre va vraiment en avant. Pierre va vraiment en avant. Alléluia. Amen. Lorsque tu es quoi? Tant que ça n'a pas quoi. Il y aura des gens qui vont te haïr. Les gens là bas toi bah quoi inayo. Ils te diront. Bah quoi ils savent. On ne connaît pas cet homme. Il y a des montagnes. Je ne le connais pas. Na y a des montagnes. Ils vont dire. Bah quoi le bango. Il n'est pas mon père. Ce n'est pas ma sœur. Et ça n'a pas de problème. Yes. Alléluia. Amen. Non, non, pas seulement. Et ça n'a pas de problème. Et ça n'a pas de problème. Mais ça n'a pas de problème. Et ça n'a pas de problème. Bah Joseph. Le bon bah Joseph. Bah Joseph. Bah Sali. Bah Sali. Bah Nicodème. Bah Nicodème. Bah Sali. Bah Sali. Bah Kosamba pour la Tina. 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 Alléluia. Amen. Là où le médecin te condamne. Ici, quand on va mettre un gamin condamné, on va faire la solution. Il y a un médecin. Alléluia. Amen. Un médecin invisible, parce que je vais vous dire que yes. Il dit, il y a un médecin. Papa, on m'a dit que le résultat laboratoire est allé à Gabi. Et non. Et là, au moment où le laboratoire a nous laissé, peut-être dire, résultat. Amen. Dans la résurrection de Christ. Et qui peut te mettre dans le solo, yes. Tu es dans le solo. Vous pouvez m'asseoir. Yes. C'est une vidéo. Tout à l'heure. Alléluia. Amen. Et rien qui peut te consommer agneau au complet. Yes. Pour te vivre ma œuvre de la croix au complet. Amen. Pour te expérimenter ce que Christ a fait. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Troisième leçon, la dernière. L'Italie a mis cette bébé à soupe. Je vais lâcher ce micro. Bien à côté de l'homme. Je vais te rendre dans Jean 20. Alléluia. Amen. De versets 11 à 18. Jean 20, versets 11 à 18. Jean 20, versets 11 à 18.
Jean chapitre 20, versets 11 à 18, je lis au nom de Jésus. Amen. Je lis au nom de Jésus. Amen. Cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Et elle vit deux anges vêtus de blanc assis à la place où avait été couché le corps de Jésus. L'un à la tête, l'autre aux pieds. Ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu ? » Elle leur répondit, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais où ils l'ont mis. » En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ? » Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. » Jésus lui dit, « Marie. » Elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabouni, c'est-à-dire maître. » Jésus lui dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je vis sur le lot. » Parce que Dieu t'a mis comme un roi. Le sur le roi. Yes. Dieu plaça deux personnes très équilibrées qui ont des réponses à toutes tes questions. Tu te séparas de ces gens à tout moment. Dans ton temps, il y aura des anges qui seront là pour veiller sur toi. Alléluia. Amen. Des anges. Amen. Tu veux te dire une chose aujourd'hui. La résurrection de Christ n'était pas venue pour que nous puissions faire comme un sujet de rencontre. Cette résurrection était venue pour que nous puissions les consommer. Nous puissions vivre cela. Nous puissions expérimenter cela. Pour la gloire de Dieu. Ici, Marie est venue. Marie a aillé pour voir là où Christ était enterré à Kundamaki. Que les hommes me disent amen. Amen. Là où on t'avait enterré, on ne te trouvera plus jamais. Là où tu étais prise en captivité, tu n'y seras pas. Je dis bien, tu n'y seras pas. Je dis encore que tu n'y seras pas. Là où on t'avait laissé, ils vont peut-être te retrouver là-bas. Lorsqu'ils sont venus, il pleurait. Lorsqu'il pleurait, il savait toujours que Jésus est toujours parmi les morts. Il est déjà qui continuera à fêter sa souffrance. Alors que tu n'en es plus. Il y aura des gens qui vont commencer à publier tes échecs. Alors que tu as déjà la réussite. Il y aura des gens qui vont dire que tu en as peinant aux yeux et peinant. Il y a peinant du bal ici, là où on va la résoudre. Donc, attends, parle au bon mot. Deux choses en a commis. Yes. On va signer les frères d'or. Yes. Si vous signez mon cas. Yes. Vous n'avez pas le bâtiment. Yes. Vous n'avez pas le bâtiment. Yes. Vous n'avez pas le bâtiment. Yes. Et ça n'a pas tout le sens. À qui jusqu'aujourd'hui. Et ça n'a pas tout le sens. À qui jusqu'aujourd'hui. Parce que vous avez un comportement nécessaire. Mais ne l'osez pas dans ce qui est vos armes. Yes. Si vous comprenez, vous n'avez pas bien. Amen. Alléluia. Amen. Et ça n'a pas tout le sens. Si le lot. Parce que vous avez à cause de la bonne santé. Dans le monde des ténèbres. Dans le microscope, il y a beaucoup. Bon, on n'a pas maillé, on n'a pas gentil. Alléluia. Amen. Donc, physiquement, on a un bon. Yes. Alléluia. Amen. Ça, parce que ça, ça, quand on a vite fait, on a une bonne santé. Puis, on a un bon en forme. Amen. On a un bon en ténèbre, parce qu'on a un microscope, on a un bon bouton. Bon, on a un niveau, on a un bon. Yes. Alléluia. Amen. Le bon abîme à la carte. Le bon abîme à la carte. Le bon abîme à la carte. Alléluia. Amen. Marie a elle pleurait dans son cœur. Elle savait que Jésus dans le sous-sol. Jésus dans la sienne m'a mêlé. Alléluia. Amen. Or la terre, donc m'a mêlé, n'avait pas supporté. Et pourquoi qui comme elle est contenue. Mais la terre s'est dit en elle-même. M'a mêlé, mais le bel amour. Le corps que je reçois, c'était notre corps. Et Zali, Zoto, je ne suis pas digne. Nazali, n'a pas coquille. Il est capable de le contenir. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Oh,
pierre. Moi, je suis une pierre. Ma place, c'est d'être en dessous de Christ. Je ne peux pas le couvrir. Je dois m'ouvrir. Le sortir cet homme. Je dis à quelqu'un, là où on t'a mis, ça ne va pas te supporter. La terre m'a belé, s'est concentrée. Et à un moment. La terre s'est dit. M'a belé, mais le je suis habitué à Messana à supporter les hommes, à couvrir les hommes, à les faire pourrir, à polir sa maman et les exterminer. Mais les corps que moi j'ai récits, ce n'est pas comme tous les corps. Je ne veux pas que je sois condamné. La limite de la cam- qui s'occupait de la terre. Il avait des hémorrages. Qui s'occupait de la pierre. Dans ta vie. Il y a des anges que tu as mis. Le premier ange, c'est une pierre pour toi. Le premier ange, c'est une pierre pour toi. Lorsque les ennemis arriveront, cette pierre-là, c'est la pierre de ta vie. Alléluia. Amen. Là où tu fouleras, les plantes de tes pieds. Ma patate, le lien là, c'est l'accordé. Je dis que le lien là, c'est l'accordé. Lorsque Jésus a ressuscité, j'ai aimé la lecture. Quand tu l'as dans le livre de Matthieu 27, au verset 50, la Bible dit clairement, lorsque Jésus a ressuscité, il y a un grand cri. Et l'église est corps de saint. Qui était décédé, il est ressuscité. Et ce matin, vous laissez enterrer là où il sort, il ressuscite. Ce matin, tes commerces, ton mariage, ta paix, ta santé, ton ministère qui est enterré. Yes. Tu dois consommer la puissance de la résurrection. Amen. Je dis mais tu dois consommer cela. Alléluia. La résurrection, amen. Elle est réelle. Les amis à solo. Les amis à réelle. Les amis à solo. 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 Les solo. Les amis à 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 solo. Le roi n'était pas ressuscité. Mais par contre, la masse qui s'y était. Tous les nous, ne l'est pas ressuscité. On a fait penser que c'est Christ. Ce qui est sous Christ. A été ressuscité. À ce quoi tu étais Christ. Était Christ. Et vivant. À ça, on a pas aujourd'hui. Le lot. Ton mariage. Je parle. Je l'ai ressuscité. À ce qui le lot de Jésus. Aujourd'hui. Le lot. Ton travail. Pour ça, la lot. Business. La sept. Je l'ai ressuscité. À ce qui le lot de Jésus. Aujourd'hui. Le lot. Ton voyage. Mon père. Je l'ai ressuscité. À ce qui je l'ai ressuscité. Je le déclare. Nous parlons de la résurrection.
Alléluia. Amen. Quand tu t'es né, ils avaient eu beaucoup de cérémonies. Ils avaient eu beaucoup de cérémonies. Yes. Alléluia. Amen. Et un problème. Mais on va sous-vêtement, on a ma prophétie. Amen. Amen. Et si tu es mon on a d'autres. Yes. Bah, il au pic. On a mon amaïe. On a un peu de l'université. Mais grâce à cela, alléluia. Amen. Et si tu es mon amaïe, on a un nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit simplement de te dire que nous avons dit que nous avons dit que nous avons peu importe, attends le temps qui est arrivé. Ce matin, il y a une résurrection. Il y a une résurrection qui se passe. Il y a une victoire de la résurrection qui se passe. Il y a une victoire de la résurrection qui se passe. Il y a une victoire de la résurrection qui se passe. Il y a une victoire de la résurrection qui se passe. Lorsque Christ a ressuscité, quand Christ a secoué, il ne s'était pas ressuscité seul. À cette fois, il est mon côté. La Bible dit, plusieurs corps de saints a été ressuscité. C'est quoi qui? Autrement dit, plusieurs mingi corps, bien. Il y a malam, les avoirs, il y a causa, les finances, bambongo, les mariages, ma bala, le travail, misala, la santé, ma santé, la joie, le bonheur, la prospérité, le souloukin, en ces jours, la colère, ça ressuscite, 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 alléluia, amen. Et là, on va voir ça, on va passer, tout le monde. Tout n'a manié pour la répondre. Et l'homme, ça n'a pas passé. Parce que n'a pas quoi. Il y a une bonne impression, c'est qu'il va dire qu'il y a un bout de temps. Alléluia. Et ça n'a pas passé. Parce que nous amen. Yes. Alléluia. Amen. Bah, tu as dit ma vie pendant longtemps. Yes. À son endroit chaque jour. Yes. Le lot. Ah. Sauvaillé. Amen. En communauté. Yes. En communauté. Yes. En couple. Ah, dans ange qui bat. Amen. Ange de résurrection. Au bazala qui l'ordre de Christ. Yes. En tout cas, yes. En tout cas, ange moko. Ah. Comme on est les banga. Amen. En tout cas, ange ma ange mon sous. Comme on est ma belle. Amen. Bazala pour nous contrôler l'espace. Yes. Avant un yata territoire na yo. Yes. Car ce que ange en a permettre. Yes. Ça va permettre. Amen. En tout cas, ça va te voir où tu vas. Yes. En tout cas, t'as été. Yes. En tout cas, t'as été. Yes. En tout cas, t'as été. Yes. Et ça n'a pas passé. Parce que les lots, quand on a passé que là, pour la vie, pour ne pas condamner, nous avons passé la passe. Yes. Nous avons passé la passe. Les lots, il y a une puissance qui va partout. Les gens ont voulu se déclarer. Ceux qui sont dans le village d'Abino, nous avons des écueils. Amen. Yes. 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 Il y a où les amis la vie comme moi chez lui. Oui, Jésus Christ. Avance, 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 av
partager le pain de vie.